Merci Lady Sonia. Permettez, je me suis mise à une petite diète. Alors là, j'ai un jus de betterave mélangé avec du citron et du gingembre. Il paraît que c'est bon pour le sang. D'accord? J'ai commencé un petit régime, donc je fais un peu attention à moi et je vous invite à le faire. Donc venez, on va goûter pour voir si c'est bon. Pas mal. Alors comment allez-vous, mes amis? Les titi boss, les reines, les queens, les boss, les ladies, les gentlemen. L'affaire là est bonne. Attendez, je goûte d'abord et puis je viens en cause. Hein? 2 secondes d'abord, je vous invite. Ou je vous évite. Moi-même, un humour que moi seul je peux maîtriser. Comment ça va, les amis? Délicieux. Vous devriez le faire. Donc, gingembre, citron, betterave. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Parlons de la méchanceté entre femmes. Quand on se connaît pas, on est mauvaise entre nous. Déjà, même quand on est potes, on se lâche des trucs un peu bizarres. Tu vois, comment t'es belle, connasse, va. La sorcellerie entre femmes. Il y a des gens qui disent toujours, toi, tu vas m'utiliser tes grands mots. Hein? Je n'utilise pas des grands mots. C'est quand vos comportements sont grands que j'utilise les mots qui vont avec vos comportements. Les femmes sont méchantes entre elles. Why? Expliquez-moi pourquoi. Moi, j'aimerais comprendre. Quand vous attrapez un homme avec une femme dans l'adultère, ou bien la fornication, ou bien il y a un scandale, regardez la réaction des hommes entre eux. Ils se protègent. C'est comme si, genre, si on a jo l'autre, on va le jo, quoi. Ils se débattent, ils se protègent. Et puis, ils ferment la bouche, ils ferment le caquet aux gens qui parlent. Parce que c'est la solidarité masculine. S'il y a un bang-bang, et puis un gars, une femme jette les affaires d'un homme, regardez la réaction des hommes dehors. Ils vont venir ramasser, soit ils vont monter pour aller essayer de causer avec la nana, essayer de la calmer, essayer ceci, cela. Mon mari est avec toi. Oui, ton mari est avec moi depuis hier. Il est avec moi depuis hier. Mais maintenant, faites le scénario inverse. Une femme est dehors. Et puis, il y a des copines qui passent. Et puis, un homme en train de la jeter dehors. Regardez la réaction. Je vais te dire la vérité, hein. T'as déjà mis la même, elle te trompe. Elles vont se mettre à critiquer. Elles vont se mettre à... Ah, c'est bien. Ah, l'homme là aussi, c'est qui? Peut-être même, elles vont aller passer à jeter leur pion là-bas. Oui. Elles sont là. Ah, mais lui là, c'est qui? Oui, l'homme. Elle n'a pas dit... Elle frimait ici, là, non? Elle, là, même quand elle était dans le foyer, là, tout de suite, elles vont commencer à tergiverser, à raconter. Aucune solidarité féminine. Je parle de ça parce que c'est ce que j'ai toujours vu sur les réseaux sociaux. Quelles que soient les positions que j'ai prises, surtout moi, je prends beaucoup de positions pour essayer de protéger les femmes, essayer de réagir, de créer quelque chose, une solidarité féminine, amener les femmes à s'entraider entre elles. Quand une femme pousse une autre femme de l'avant, je trouve que c'est beau. Quand une femme réussit et qu'une autre femme vient pour la célébrer, je trouve que c'est la grandeur même. Je trouve que la solidarité féminine pourrait changer les choses. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité ici. Mais ça encore, mes soeurs n'ont pas encore compris ça. Surtout mes soeurs africaines. Je reviens, on en parle. Donc je disais ceci, solidarité féminine n'existe pas. Dernièrement, nous avons eu un cas de Peniel et notre frère Kalambay, mon frère Mike Kalambay, que j'aime beaucoup et que je sais que Dieu va restaurer. Et j'ai fait cette vidéo-là qui a été visionnée par un grand monde. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir comment les femmes réagissaient par rapport à ça. Oh, mais elle était où tout ce temps-là? Pourquoi elle n'avait pas parlé depuis? Hein? C'est une menteuse. Elle ment, elle veut seulement détruire le monsieur. C'était les femmes qui étaient en train de déchanter. J'ai vu près de combien, je ne sais pas, 700 commentaires. J'ai pris le temps de lire un après l'autre. Je cherchais les femmes. J'ai vu qu'il y a d'autres même qui disaient, ah oui, mais à culpa, à la vue, pardon, de ces images, de cette violence conjugale, il y a des hommes qui ont réagi même, qui ont compati, qui se sont sentis touchés. Bien sûr, il y a d'autres hommes qui sont venus m'écrire pour me raconter, mais c'était normal, en fait, je m'attendais. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que nous, les femmes, nous puissions valider ça. Alors, mais elle était impolie. Si une femme n'est pas polie, vous vous attendez à quoi? Je m'attendais à ce speech-là venant des hommes, mais pas des femmes. Une femme comme toi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette rivalité naturelle? Pourquoi est-ce qu'il y a cette antipathie naturelle? Pourquoi est-ce qu'il y a cette jalousie naturelle entre femmes? Quelqu'un touche une femme. Même si elle est dans la raison, les autres femmes vont la condamner.
Je n'ai pas dit hommes. Souvent, c'est les hommes qui vont venir encore pour protéger, pour essayer d'élever. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes? Je n'ai pas dit que parce qu'on est femme, on doit valider tout les tocardismes, tout le maboulisme. Vous voyez bien comment je parle, comment je reprends les femmes, comment je les savonne quand il y a un vilain comportement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous avez vous-même une situation, peut-être que vous, si vous aviez été dedans, vous auriez voulu qu'on vous aide. S'il y a une situation où vous vous dites que, ah, mais si ça avait été ma fille, si c'était ma soeur, comment réagirais-je? Non, non. Nous n'avons pas cette grandeur là. Nous n'avons pas cette grandeur, cette mentalité, cette vision. Il faut détruire celle qui adhère. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu crois que quand celle-là, tu vas l'élever, ça va enlever quoi dans ta vie? Toutes les étoiles brillent. Aucune étoile empêche une autre de briller. Le fait qu'une autre femme brille, ça ne doit pas être un problème pour toi. Ça ne t'empêche pas de briller aussi. Ça ne t'empêche pas de devenir meilleur. C'est comme si quelqu'un me dit non, si j'ai liké ta page, ça m'empêche de liker une autre page. C'est tellement stupide. Voilà. T'as dit non, t'es bête, t'as dit que non. Il parle mal. Je ne comprends pas pourquoi les femmes sont méchantes entre elles. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Hein? Expliquez-vous qui me regardez là. Pourquoi les femmes sont méchantes entre elles? J'aimerais comprendre. Parce que ça me dépasse. Quand vous voyez comment les hommes se couvrent, on attrape la femme de l'autre, l'a attrapé dans toute main. Le gars, il appelle son ami va tout faire pour le sortir. Mais nous, là, nous, on va te noyer. On va te noyer. Une femme a été attrapée en adultère. Regardez la réaction des autres. Une femme a été battue, violée. C'est, les autres m'ont dit qu'elle violait ça. Quand elle prenait du plaisir là-bas, là, c'était bon pour elle, non? Maintenant, elle vient de violer. Pourquoi? Pourquoi nous avons des cœurs méchants? Elle est compressée dedans. Tu vois, tu veux. Soyez pas méchants. Ne sois pas méchante. Pourquoi nous sommes méchantes entre nous les femmes? Lady Sonia s'est levée, elle travaille. Oh, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Et c'est encore nous-mêmes les femmes. Oh non, elle l'a. Donc, vous regardez même les hommes qui disent que, ah, femme, pourquoi cette méchanceté entre vous? Souvent, même ça, les hommes sont choqués, quoi. Et moi, ça me dépasse. Moi, j'ai des filles. Et je les ai élevées différemment. Je leur ai dit, si une femme réussit, c'est la fierté de toutes les femmes. Il faut apprendre à être grande. Si une personne est bénie, ne tremble jamais. Ne sois pas jalouse, n'envie pas. Ne porte pas envie à l'autre. Parce que ça, c'est son temps, c'est sa bénédiction. Rien ne dit que Dieu a vidé le ciel pour cette personne-là. Ça veut dire que la chose arrive. Pour toi aussi, ça arrive. Réjouis-toi pour l'autre, afin que Dieu voit ton cœur et qu'il dise, celle-là, c'est une grande dame. Pourquoi elle se réjouit même? Oh, Dieu même est choqué. Ah, elle se réjouit parce que j'ai béni une autre. Libérer la bénédiction dans la vie de cette personne-là. Vous savez, c'est souvent nos mauvais cœurs qui nous empêchent de voir de belles choses dans nos vies. C'est souvent nos mauvais cœurs, qui font qu'on récolte des vilaines choses dans nos vies. On est méchante, médisante, intrigante, calomniatrice. Moi, je suis sur une page. Les personnes qui m'agressent le plus, qui m'insultent le plus, qui font des faux profils pour venir m'insulter, ou qui font des faux complots, qui me dénigre le plus, qui crée des fausses pages, des faux groupes pour pouvoir calomnier les dissonnaires, ce sont les femmes. Nombreuses me suivent, elles téléchargent mes photos pour aller chez le couturier, pour aller chez le coiffeur. Oh, je veux cette couleur de cheveux comme les dissonnaires, je veux ceci, je veux cela. Mais il faut voir les commentaires méchants qu'elles collent derrière mes vidéos. Il faut voir les méchancetés qu'elles disent, vous êtes souvent dépassées. Pourquoi? Oh non! Moi, j'aimerais te voir ici naturellement. Vous allez sur la page de cette femme-là. Sa face, on dirait qu'elle a mis la boue dessus. Mais c'est elle qui vient parler. Moi, je veux te voir comme ça. Oh, tu as grossi, quoi. Quand vous regardez la fille, elle-même, elle est vilaine, sale. Et même le diable dit, non, je n'en veux pas. Mais c'est elle qui a quelque chose à dire. Pourquoi? Mais pourquoi tu t'énerves? Toi, c'est toujours la plus moche qui s'énerve. Ici, on s'humiliait un peu et qu'on apprenait à s'entraider, à se respecter, à se célébrer. C'est ça qui fait le secret d'une personne. Quand tu célèbres une autre femme, quand tu célèbres quelqu'un qui a fait bien, Dieu te célèbre. Dieu va semer ça dans ta vie, tu vas monter. Bisous là-bas.